Hey mes chefs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel unboxing. Je suis dans la même tenue, c'est normal, je filme le même jour. Comme vous le savez, j'ai reçu mon cosplay de Mikan que j'ai présenté dans ma dernière vidéo unboxing et de Ibuki Miyoda, parce que vous l'avez vu dans le titre, logique, sur miniature, soit que vous avez cliqué sans réfléchir, vous ne savez pas qui je suis et vous vous êtes perdu sur YouTube. Bonjour, je suis Saiwa. On se retrouve pour l'unboxing là, que j'ai reçu en même temps que Mikan, le cosplay. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo en un, parce que la vidéo de Mikan dure à peu près 10 minutes, et celle-là, bah, je pense qu'elle va durer beaucoup plus. Voilà. C'est parti. Alors, j'ai commandé sur AliExpress, voici le perruque, et toujours, la perruque coûtait 20 euros, oui, et le cosplay 40. Sachant qu'il y a tout, genre les collants, les... Comment on dit ça, les... Vous savez, elle a des espèces de grands gants comme ça, enfin, qui prennent que l'avant-bras, là. Et je sais pas du tout comment ça s'appelle, enfin bref, c'est pas grave. 40 euros, alors qu'il y avait tout, enfin je trouve ça, c'est un prix super raisonnable. Pour la perruque, 20 euros, ça va me dire, mais c'est cher, mais vous voyez le personnage qui est Ibuki, enfin voilà. Et donc, le vendeur bah, vendait les deux ensemble en fait. Et donc, voilà. Alors, je vois déjà qu'elle a une raie. Vous savez, comme sur la perruque que j'avais. Il y a un élastique, le sein élastique. J'aime ce vendeur, je vais lui mettre 5 sur 5, c'est sûr. Non, je suis un peu trop. Je vais un peu trop vite. Donc ça c'est fait comment? C'est accroché direct? Oui, ok, je peux pas l'enlever. Donc je vais pas prendre soin de l'enlever d'abord, mais voilà. Donc voilà comment se présente la perruque. Il y a les deux couleurs qui sont respectées, le bleu et le rose sur la frange. Il y a même des mèches bleues derrière. Que des mèches bleues. Je sais pas vraiment parce que on va pas beaucoup Ibuki de dos. Bon, ça par contre, c'est très bien, sauf que va le faire tenir en l'air. Mais vraiment, genre, je pense qu'il faudrait les laisser comme ça très longtemps. Et au bout d'un moment, bah ça. Enfin, après, je pense sur une tête, ben bah, ça tiendra beaucoup mieux que. Voilà, regardez, rien que là, ça tient déjà mieux. Donc, je pense que c'est ça le truc. Et il y a toujours les petites mèches blanches qu'elle adore les cheveux. Qui sont respectés. Je n'ai pas d'autres choses à dire. Elle est très bien la perruque. Mais voilà. C'est tout. Je commande toujours du XL. Je crois que c'est écrit dans une langue que je ne connais pas. Je me suis fait douiller. Elle est où la jupe? Allez. J'ai pas dit qu'elle était en dessous du haut. Donc voici le haut et là il y a un tissu noir, c'est noir ou c'est noir? Oui, parce que vous vous rappelez ce que j'avais dit dans le truc de Toko, pour Toko. Donc il y a les manches, je vois pas de truc mal fait. Oh, là, je suis plus fait là. Pardon. Il y a comme mais je crois d'ailleurs c'était le même vendeur, je sais plus du tout. Je crois que c'était le même vendeur et il y a les mêmes trucs, enfin comme sur le cosplay de... Voilà, de... Oh, Toko qui s'enlève. Voilà. C'est très cool. J'ai vraiment paniqué, j'ai cru que j'avais pas la jupe. Instant panique. Donc la jupe, pareil que... Mikan. Je vais plus m'en sortir, il y a trop de personnes que j'aime dans Duncan Drop. Pas. C'est pareil. Oui, tu vas t'enlever. Tu vas te... Merci. Par contre, là, le truc est plus long. Là, il finissait à peu près là pour Mikan et là, il finit là. Donc ça va, c'est un peu mieux. Parce que j'aurais plus de marge pour l'enfiler. Parce que c'est un peu chiant. Quand c'est pas très... ça, c'est juste le point négatif, je pense, parce que le cosplay a l'air super, super. On passe au flow plutôt. Au
Flo qui est yes. Non, parce que je j'aime pas, donc je refais genre, juste comme ça. Bonjour. Enfin bref. C'est comme Toko. Là, le petit scratch du truc, je vais le remettre de suite. Mais sauf que là, c'est vraiment un truc, il n'y a pas la démarcation, genre, qui sont collés. Comme parce que sur le truc de Toko, ils étaient collés, genre. Et si tu levais ou tu descendais le truc, ben ça se voyait. Donc voilà. Maintenant, les collants. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est super doux. Et bon, c'est un peu mal coupé, mais en même temps, enfin, c'est déchiré déjà. C'est Ibuki et je trouve que bah, ça fait un rendu très bien. Il y a les trous qu'elle a. La même chose en bleu pour l'autre. D'ailleurs, faudra faire gaffe à ça parce qu'après. Mais de toute façon, il y a retour caméra, donc tu sais jamais dans quel sens il faut le mettre. Enfin bref. Ensuite, le gant qui au final s'y se met genre parce que. J'essaie en même temps. C'est pas très. Alors si ça se met comme ça. Ah oui. Putain. Par contre, c'est pas très pratique à enfiler ça. Ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça. Par contre, là, c'est quoi ça? Et là, c'est vraiment vachement serré le. Ça. J'arrive pas à l'enfoncer plus. En même temps, après, c'est un peu une mitaine. Enfin. Ouais, une longue mitaine, on va dire. Ah, j'adore! Je. Non, mais je vais être hystérique. J'adore Ibuki, enfin, vraiment, trop. Parce qu'en fait, là, c'est large, mais là, c'est trop serré. Ah, ça m'énerve. C'est la même matière, ça, pas ça, ça c'est la même matière que les collants. Bon, ça je pense que je vais couper. C'est quoi ce fil? Sérieux? Oh, bah bref. donc ça, c'est la ceinture, je suppose, du. Ha! Ah yes! Non mais c'est ça d'y aller comme une bourrine. Putain. C'est bon? Ok. Il y a des petits... C'est une petite ceinture. Très simple. Qui se met sur la jupe. Enfin un peu sur la jupe. Plus sur la jupe que sur toi en fait. Enfin. Par contre le truc qui s'enlève là je vais le Voilà. Donc voilà, et elle se ferme en scratch. Je pense que vous l'avez entendu quand j'ai détaché les trucs. Comme ça, voilà. Il n'y a plus rien. Y a plus rien. Donc, c'est un très beau cosplay. Malgré le petit truc là. Je pense que ça, c'est le truc le plus négatif du cosplay en vrai. Parce que là, les petits fils qui dépassent, le fait que c'est. Plus serré, beaucoup plus serré là que là. Enfin après, moi, je prends du XL, sachant que XL, c'est pour une personne d'un mètre 70 et que j'en fais seulement 1m57. non, non, mais 75 même. Non, mais j'ai pas le son des petites. Non, franchement, j'assume mon rôle de petite dans cette société. Mais voilà, c'est juste ça parce que, regardez, je tire. Là, ça reste en place. Mais si vous regardez bien, quand je tire, voilà, ça remonte. Et puis genre même, je nage dedans en bas. Là c'est super bien, mais là je nage dedans, mais à un point. Et c'est tellement serré qu'il y a déjà les coutures ici qui s'enlèvent. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Actuellement quand je filme la prochaine vidéo est normalement fly. Enfin où je parle et je... Vous voyez ma tête? Oui je vais remettre ma tête. Enfin vous verrez cette vidéo après et du coup c'est pas logique. Enfin... Vous avez compris. On se retrouve bientôt. Du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Oui bien sûr je reçois un cosplay toute la semaine. Vous êtes prêts? Allez c'est parti, je suis riche. C'est bon. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo unboxing, voilà c'est mieux. Bye bye.